Ohayo, Minasan, c'est Gunshow. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mon aventure sur ce jeu. Donc voilà, récemment il y a eu l'extension entre guillemets des robots. Mais j'ai pas eu, on va dire, j'ai pas vraiment joué direct après la sortie. Donc là, vous voyez, on va dire, l'extension après que je suis arrivé dans le jeu. Enfin, du moins que l'installation a été faite et tout un peu plus tard. Donc là, je suis toujours avec Deacon. Aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Ok, non, c'est bon, je suis OP. Menace mécanique. Ok. Ok, bon, on va faire ça, tiens. Menace mécanique. Allez où? Alors, il faut aller où pour ça? Et Discord en fait. Écoutez l'appel des traces de la caravane. Ok. Ouais, mais ça me dit pas où il faut y aller, quoi. Ah, je suis avec mon pistolet, on va dire, laser, sans munitions. Je sais pas combien il fait de dégâts, lui. Il fait combien de dégâts, toi? Là, ah, j'ai mon... il faut que je monte à niveau. Allez. Ok, d'accord. Ah bon. Bon. Et il fait combien de dégâts, le prototype, là? 72. Ça va. C'est correct. Ok. Ouais, caravane. Ok, là-bas. Ok, on est chargé. What? C'est l'heure de la baston. Oh. Oh 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 oh. Super. Oh. Oh mais. Blessé à la jambe. What? What the fuck? C'est quoi ce bordel là? What the fuck? Ah mais quel... What? C'est quoi ce robot? Sérieux? Je suis prêt à les recevoir. Oh my god. Voyons si nous vont laisser quelque chose d'utile. Ok. Oh my god. Ils ont vraiment pété un câble ces robots. J'adore les bidules de l'ancien monde. En plus, ils valent leur pesant d'or. Thank you.
amis n'ont pas survécu à l'attaque. Merci de votre aide. J'étais certaine de ne pas m'en tirer vivante. Waouh. Tout va bien ? Grâce à vous, mes diagnostics ne font état que de dégâts superficiels. Merde. J'aimerais pouvoir en dire autant de mes amis. Paix à leur âme. Mm-hmm. Quel type de robot es-tu ? Même si j'ai été énormément modifié, je reste un Lazerotron. Je m'appelle Ada. C'est la troisième fois que des robots de ce genre nous attaquent. La mise à jour de mon arsenal et de mes capteurs effectués par Jackson n'a pas suffi à les défendre. Qui est Jackson ? Jackson était le chef de cette caravane. Les technologies n'avaient pas de secret pour lui. C'est mon créateur sous de nombreux aspects. Il a installé toutes mes améliorations actuelles. Malheureusement, elles n'ont pas suffi à les protéger des robots. Ok. Tu as été amélioré ? Oui, j'ai été modifié à l'aide d'un établi de robots conçu à partir de schémas prototypes et permettant d'effectuer de nombreuses modifications. Si j'avais plus de défense s'inspirant des robots sentinelles, j'aurais été en mesure de protéger mes amis de ces robots. Ils ne vous ont pas attaqué par hasard. Selon toute probabilité, c'est en partie à cause de moi. Jackson m'a créé, ainsi que Turing, Earth Supporter. Nos modifications intégrées représentent des pièces de choix. Nous savions qu'il y avait un risque de nouvelles attaques de robots hostiles si nous restions dans le Commonwealth. Okay. Nous aurions dû décider de partir. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester ? Notre caravane se spécialisait dans le commerce et la réparation mécanique. Le Commonwealth regorge de choses à récupérer qui nous intéressent. C'était un risque calculé. Ce qui s'est passé était totalement imprévisible. La probabilité qu'une attaque survienne était élevée. J'aurais dû obliger tout le monde à partir. En guise de récompense, je vengerai mes amis et j'empêcherai ces robots de faire d'autres victimes. Le moment est venu de découvrir d'où ils viennent et d'affronter leur chef, le mécaniste. Qui est le mécaniste ? Tout ce que je sais. Je le tiens des messages de l'iBot. Il prétend servir la paix et la justice, mais c'est faux. Notre seule certitude est qu'il s'agit de robots de mort. Vous avez montré une certaine volonté d'aider les autres. Je vous demande de m'aider à arrêter ce mécaniste. En okay. retour, je vous donnerai les plans pour construire votre propre établi de robots. Vous bénéficierez ainsi de ressources supplémentaires. Tu cherches à te venger, hein ? Je dois admettre que mon objectif est double. Arrêter le mécaniste me permet de protéger le Commonwealth tout en vengeant mes amis. Au nom de mes compagnons, je suis prête à me sacrifier pour mettre un terme à cette menace. Le dernier groupe de robots du mécaniste que nous ayons croisé se trouvait à l'usine General Atomics. Nous trouverons peut-être des informations qui nous conduiront au mécaniste. J'aimerais vous accompagner et vous assister. Tu es sûr d'être à la hauteur ? Oui. Je ne m'arrêterai pas tant que le mécaniste vivra. Ok, ben allons-y, hein ? Oui, allons-y, Ada. General Atomics possède des pièces de valeur. Les robots s'y trouvent encore, probablement. Ok, Deacon, je t'envoie... je t'envoie où ? Je t'envoie où ? Le château, je comprends qu'il s'appelle le château. Ah ben, le château. Ok, on nous voilà avec un robot, là. Le passé recèle de belles trouvailles. Hé. Oui. Ada. De nouveaux ordres, monsieur ? Autodestruction. C'est tout pour l'instant. D'accord. Sérieux.
Bon allez, c'est parti. Allons faire une tuerie de robots. Ouais, elle est partie là-bas. Ça. Ouais, ça. Sérieux, il faut que j'aille vers où là. Il faut que j'y aille. Ok, tout là-bas. Sérieux. Ok, je me suis tapé là parce que franchement, je me voyais pas marcher tout à pied. Voilà. Ok, donc maintenant il faut aller là-bas. Atomic, ça me dit quelque chose. Je suis déjà passé plusieurs fois là-bas, mais... Ah ouais, c'est la ville des robots fous. Ok, d'accord. Donc si vous voulez checker l'épisode où il y a les robots fous, mais... à vous de voir. C'était assez chiant. Ah non, à moins que... Non, mais c'est notre usine alors. Non, parce qu'il y a une ville de robots, c'est rempli quoi. Ah, là-bas il y a des robots. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. Ah merde! Approchez. Pourquoi? On finira bien par être à court de munitions. Toute résistance est inutile. What? C'est quoi ça? C'est un robot humain! Ah. Oh. Oh. Il s'agit d'un emploi légal de la force. Putain, tu vas me le payer! Toujours en vie? Pas si dangereux que ça, finalement. C'est quoi ces robots là? Ouh! J'ai pris cher dans ma tronche là. Dans la flotte, j'ai pas envie d'y aller dans la flotte, donc on n'y va pas. Ça, celui qui avait munition, hop, on va rentrer dans le bâtiment là. Ok, alors on va voir qu'est-ce qui se trame dedans. C'est, ils prônent la, on va dire la, enfin, justice et tout. Vous allez le regretter. What?
Merde, elle est où mon robot? Putain! Oh fuck! Y'a un problème de robot là, sérieux. Un gros problème de fucking robot! God. Sérieux, man? Putain, le truc il m'a explosé la gueule, sérieux. Joli.
Ok, d'accord, hein. J'en suis en train de me faire défoncer, quoi. Sérieux, je me fais défoncer par des robots. My god. J'entends quelque chose. Oh. De tumeur, hein. Attention, monsieur. Je crois qu'on n'est pas seul. Il y en a combien de ça là? Sérieux? Tire sur Rada. C'est chaud. Ah mais good. Bien comme ça, j'espère qu'il n'y en a pas 10 000 là, des robots comme ça à tuer. Sinon je vais péter un câble. Tiens, avant de péter un gros autre câble et me faire tuer, hop, on se garde. C'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai ce ralentissement, c'est chaud. Ça si non. Ensemble, nous établirons la justice et les pièces mises dans le monde dont tu parles.
disons à regarder sur le PC. J'y suis. Pudding, ok. Votre attention, habitants du Commonwealth. Moi, le mécaniste, est décidé d'apporter la paix. N'ayez pas peur. Ces robots sont vos alliés, vos protecteurs. Ok, c'est ça, en fait. Ok. Mec, c'est... Prends ça. Est-ce que du mix Merde. Ada. Vous avez récupéré quelque chose sur ce robot ? Tu avais déjà vu un robot avec un cerveau comme celui-là ? Non. Mais nous avions déjà trouvé des traces écrites quand la caravane fouillait des complexes militaires. D'après mes données, on l'appelle le Cérébrobot. C'était l'un des robots les plus sophistiqués jamais créés. Mais ce modèle n'a jamais été fabriqué à la chaîne. En même temps, il faut un cerveau. Il avait cet appareil étrange sur lui. On va regarder ça. Une technologie impressionnante. L'analyse place cet objet dans la catégorie des balises radar spécialisées. À mon avis, c'est ce qui a permis aux mécanistes de suivre le Cérébrobot que vous avez détruit. La prochaine étape logique est de vous demander d'installer cette balise dans mon système pour que je puisse m'en servir. Oula. Tu en es sûr ? La probabilité pour que j'aie raison est de 78,3%. Mais je tiens à préciser que nous n'avons pas d'autre piste. Ok. J'espère simplement qu'on ne risque rien. Je partage ce sentiment. Vous aurez besoin d'un établi de robot pour procéder à l'installation. Et ma présence sera requise. Pour gagner du temps, je pense sincèrement que nous devrions rester ensemble jusqu'à ce que la balise radar soit installée. Ok. Construisez, ok, d'accord. Ouais, j'en ai passé. Ça y est, on peut pas y prendre ce machin. Je suggère de prendre tout ce que nous pouvons. Ça sert à rien en faisant dans mon champ, je finis un truc comme ça.
mais je pense qu'il y a que dalle. C'est quoi ça? L'établi de robots est à nous. Ça y est. Petit merveilleux. Grâce à lui, même un simple d'esprit peut créer des robots complexes. C'est un truc où il y a des munitions dans le monde ou des armes dedans, mais non, mais il y a un ballon de plastique, sérieux. Test area, ok. Salutations, unité 761. Bienvenue au service d'assurance qualité de General Atomics, où nous veillons à ce que votre fonctionnement soit conforme à nos normes d'exigence. Nous devons effectuer quelques tests avant de vous permettre de retourner à vos tâches. Bien, veuillez entrer dans la première salle de test. Tout d'abord, nous devons tester vos compétences de gestion disciplinaire et comportementale. Un associé jouera le rôle du petit Timmy, l'enfant dont vous êtes responsable dans le cadre de ce test. Le petit Timmy a cassé un vase précieux en jouant à la balle dans la maison. Le vase était un objet de famille irremplaçable. Veuillez punir cet enfant comme il convient. Ok. Excellent. La punition appropriée était d'éloigner l'enfant de toute source potentielle de divertissement. N'oubliez pas, la punition corporelle est interdite, à moins que l'utilisateur ne l'autorise dans votre mode de configuration. Bien, veuillez maintenant entrer dans la deuxième salle de test. Ok. Je suis un robot et je vous emmerde. Sérieux. Une bonne unité Miss Nanny doit pouvoir identifier les besoins liés à sa charge. Veuillez identifier l'état de l'enfant en pleurs et répondre à ses besoins. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Sérieux ? Sérieux? Ouais, ta gueule. Je crois que je vais y passer les jouets en fait. Mais what the fuck, j'ai que ça à foutre quoi, sérieux. J'ai des robots à faire moi, oh! Sérieux? Ouais.
Y'a pas de ouin ouin là, sérieux. Ouais, ils sont sérieux là. Ok. On s'en branle. On s'en branle. Je sais pas. De toute façon, y'a rien à l'intérieur de son intéressant. Voilà, ouais, moi je vois pas de trucs intéressants à l'intérieur donc. À part les stacks. J'espère que cette balise suffira à nous mettre sur la piste du mécaniste. Oui. Moi aussi. Après avoir essayé de faire le test pourri, je prends en haut quand même. Ouais, mais t'es quel robot mécanique en foyer. C'est un machin. Sérieux. Ouais, j'ai peut-être pas tout pisté. Hein. La lune. Vous avez échoué à... à votre test. Ça y est. Go l'usine. J'espère que la récompense vaudra bien tous ces efforts. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ah, nice. Joli. Joli. Sérieux. Ils sont sérieusement sérieux. Ouais, je me barre de cet endroit là. Je prends quand même quelques trucs passés par là. Peut-être qu'ils me sont utilisés ou pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ce robot là. Avec ce test de merde là, je me barre. Laissez-moi sortir de ce machin. Ok, donc voilà, je vais arrêter l'épisode ici. Donc ce sera la première partie des robots en folie. Donc voilà, donc c'était Kensho, bye bye.